Attends, j'ai eu un peu de mal à te sortir. Tu peux me revenir? Je te disais, voilà, les bottes 73-51 à la station de la part de Dandy 33. Voilà, en mobile, actuellement sur Libourne. Ok, tout ça retourné. Daniel, est-ce que tu l'attrapes? Tu l'as entendu? Oui, je salue aussi Eric, là, sur son présentant Eric. Ici Daniel Santor, kilomètre 3306. C'est pareil, sur Saint-Émilion, là. Limite Saint-Émilion, Libourne, les viticoles du sud-ouest de France. Eric, est-ce que vous avez que celle de Daniel? Oui, sur son, la station, le 73, la station, la station, il n'y a pas de problème, mais pour nous là, c'est, enfin pour moi c'est du 55 en mobile là, hein. 55 fort éclair, ok Eric? Ouais, je pense que la propag fait un petit peu des yo-yo, c'est un petit peu compliqué, du coup je viens de démarrer une vidéo à l'arrache. Hachi, tout à l'heure, j'étais resté en privé, on va dire. Hachi, dire ça sur la cible, ça fait bizarre. Mais là, je viens d'enclencher la vidéo, justement, là, pour profiter de... Qu'est-ce que je fais, moi? Ben oui, voilà, quand c'est limité à 50, il faut rouler à 50. Voilà, c'est bon. Ok, voilà. Et j'ai démarré une vidéo, là, du coup. Est-ce que ça va mieux là? Attention la Belgique, avez-vous QSL du sud-ouest de France? Et moi qui bafouille à tout va quoi. Oh putain, j'ai les neurones à force, j'ai resté toute la journée au soleil en fin de compte. Hein. Alors je te dis pas la gueule des neurones. Déjà quand on est normal c'est pas triste, mais alors là, là il y a du malheur comme diraient certains. Ah oui, tout à fait, oui. Attention, la Belgique pour Daniel et Rémi, là, sur la France. Bon, ça, c'était Rémi, la campagne, la cité, puis apparemment, il avait du QRM, il disait, de son côté. Ben, ouais. Ouais, moi aussi, hein, j'ai du QRM, là. C'est vrai que c'est moyen. Non, moi là ça va, sur là où je suis là, je ne dois pas trop loin de la voie ferroviaire là. Hein. Voilà, je pense que je ne dois pas trop loin de la voie ferroviaire de Libourne. Là où il y a les eaux, je pense que c'est pour faire sa merde. Je pense que je ne suis pas loin de la route à l'extérieur de Libourne là. Ok, d'accord, tiens, j'ai croisé les autres en tricycle, Yamaha, hein, là, qu'on peut arrêter de passer d'un côté de nous là. Là, pendant qu'on était en place. Ok, d'accord. Bon, mais écoute, c'est bien. Bon, là, j'ai remis la boîte à images. Hein. La boîte à images, bon, c'est pas grave. Tu me la refroidis, celle-là. Voilà, c'est pour ma part, je suis en train de une fois rendu à Libourne, et bien du coup, j'ai attrapé la rocade, et bien là, j'arrive au Bigaro. Donc, tu vois, et puis, j'ai pas une autre solution que celle-ci, quoi. Ouais, pour moi, c'était, on était accroché, mais c'était pas le bon moment pour venir que je viens de te voir. Parce que j'aurais été tout droit en débauchant tout à l'heure. Je pense que j'aurais été déjà sur la rocade de Libourne. Oui, et quand je pense que ce matin, putain, mais je l'ai senti le coup venir ce matin. Là où j'étais, c'était pourtant à un quart d'heure de QRA. Je suis parti une heure avant, j'ai mis trois quarts d'heure pour y aller. Pas mal le coup, hein. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas, hein, ça ne m'étonne pas. Les autres qui devaient débaucher à 18h, il y en a qui malheureusement va pas courir parce que c'est celui qui est obligé de rester, parce que le titulaire qui est en poste à faire de l'aide, donc il a été évacué de l'hôpital de Libourne. Et donc, voilà, par contre, on a un travail de l'image sur la voile. Il y a eu des gens qui ont fait un travail de l'image de l'Ouest, là, et puis voilà, quoi. Et par contre, on est venu les utiliser à l'extérieur.
Ok. Bon, attends, là, il y a une espèce de bordel là-dessus, là. Il y a une espèce de gloussement. On se croirait, là, j'allais dire, d'un sous-marin, mais non, d'un bocal à poisson. Passe sur le 27-325 en uniforme Sierra Bravo. 27-325, uniforme Sierra Bravo. Oh putain, dommage. Yeah, c'est encore plus le bordel. Ouais, rendu aussi, mais c'est encore plus le bordel ici pour le coup. Ouais, Daniel. Attention Daniel. Ouais, si tu m'entends, je te disais que là pour le coup c'est encore pire que sur le 19. Déjà que sur le 19 c'était pas triste, c'était, le caca tout simplement. Et là pour le coup, pour une fois qu'on fait QSY, c'est pour avoir pire. Un chi trois coups. Je suis pas en USB là. Oh, pourtant. C'est quoi ce bordel? Si je suis en USB. Bon, ben visiblement, là, c'est parti. Le QSO est partant en cacahuète. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, Daniel, je t'entends très QRP, là, noyé au niveau au milieu des stations. Bon, c'est pas grave, je suis obligé de passer en QRT, j'ai les papas 22 en ligne de mire. Des 73 à plus. Ouais, si tu m'entends, si tu es toujours derrière, là, sur, en arrivant sur Saint-Pédarment, c'est le caca-boudin ici. Il y a un barrage routier, ouais, ils sont en train de faire la circulation là pour le coup. Hein. Ah, ils sont obligés parce que là pour le coup, sinon il n'y a plus personne qui passe. Putain, puis j'ai l'Alfa Lima qui colle en même temps. Aïe! Bon, c'est pas grave, Daniel, si tu arrives encore à m'entendre, là je suis à l'arrêt, je suis arrêté pour le moment là, par la gendarmerie, je te dis à plus. Ok, c'est parti. Ok, alors attends, je suis en train de jeter parce que j'ai la gendarmerie qui est juste devant moi. J'ai... Attends deux secondes. Ok, voilà. Bon, mais c'est bon, là, je suis sur le bon chantier de la salle, là. Ma route, hein. Ok, c'est bon. Alors, je dis bonjour aux gendarmes de ta part. Hein. J'aurais dit comme ça, ça vous dérange pas qu'on ait le micro à la main. Hein. C'est pas un problème. Hein. Non, je déconne. Je te fais un plan, là. Je déconne. Voilà, c'est bon, là, je suis sur le rond-point qui ramène sur Bordeaux. Là, hein. Voilà, c'est bon. Ok, Sinekel, t'as pu rattraper la rocade. C'est impeccable, ça. Ouais, j'en vois un là devant moi en plein Saint-Pédarment qui est en train d'accélérer. Le mec il a pas compris qu'il y a les gendarmes de partout aujourd'hui là et que le 50 il a intérêt à le respecter. Eh bien tant pis pour lui, il verra bien. Attends, j'ai pas compris parce que j'ai en plus de ça j'ai l'Alfa Lima là qui me fait chier. Il a tendance à rester un petit peu collé au lieu de me redonner de suite à réception. Oui, c'est
je me disais, surtout quand ça fait la route, t'as le radar en fait. C'est au Picarou qu'il est le radar. À Cépédarmont, ils l'ont trucidé, il n'y en a plus. Ah, mais là, moi j'ai un camping-car qui ne vole pas, alors je ne sais pas où me faire passer. Hein. Ouais, tiens, justement, j'ai le fiston là, qui est là tout à l'heure, sur la route là, au retour de la Bretagne, qui a eu une drôle de surprise comme ça avec un camping-car sur la route. Sur l'autoroute, il est tombé sur un camping-car, le mec il roule à 70. Putain, non, mais en plus, et alors que c'est limité à 130, c'est interdit ça en plus, de rouler comme ça aussi doucement. Ah ouais, oh putain. Ah mais je ne suis pas sorti parce que tu sais, au niveau de Citroën, ça y est, c'est au cul là aussi. Ah, je vois, oui, je vois où tu es. Ah bon, d'accord. Tu sais, c'est étonnant parce que là que je suis passé là tout à l'heure là à cet endroit là et c'était tout cuiro. J'étais au cul à cul. Voilà. Voilà, oui, la sortie que tu prends pour cette fois là. Au niveau du pont là, juste après le pont là, ben, on est à 4 kilos. Oh d'accord, bon 4 kilos c'est toujours roulé, hein, tu vas me dire. Hein. Oui, tout à fait, là, voilà. Là, c'est... Oh, bonjour, la Dordogne. Oui, je crois que j'ai compris pour vu ta réaction. Ah mais c'est chaleur, qu'est-ce que ça met bien dedans? Ah si, parce que vu le. Oh, j'ai cru que c'était une Y que t'avais vu plutôt. Ah non, non, non. Non, c'est à part les deux que. En fait, tu sais que ça tu m'as dit qu'elle revenait les Y. Je les ai pas revus, hein. Ok. Ah si, surtout que j'ai pas compris le cinéma qu'elles ont fait. Hein. Ça c'était histoire d'emmerder le monde. C'est voilà quoi. Alors qu'il leur suffisait de longer la route et elle serait arrivée tout pareil. Hein. Voilà, ça y est, ça s'est mis à rouler. Hein. Ça s'est passé de 40 à 60 km. Ok, ben de mon côté, ça circule. Hein. Je suis sur les petites routes là qu'il y a là par chez moi. Putain, mais la vache, tu te croirais en pleine embauche. Ah, ok. Bon, mais écoute, ça roule. Maintenant, là, c'est bon là. Non, mais le principal, c'est qu'il m'a débloqué la sortie, quoi. Parce que je te dis pas, ce matin, putain, la galère. Ah, tu m'étonnes. T'as j'ai des roues côté droit qui te frôlent l'herbe tellement que les routes sont étroites ici. Oh putain. Oh c'est, ça me rappelle une connerie ça. De temps en temps, j'ai des YL qui se met en fréquence. Hein, là ces derniers temps. Tu vois, avec la propag, elle aussi fait son retour. Elle chie trois coups. Et le dernier coup. Non, l'avant-dernier coup. Ouais, c'est ça. Justement, là par chez moi, je tombe sur une YL qui m'arrive en face au téléphone. La nana, rien à foutre. Et il a fallu que je grimpe sur le talus à côté pour pas me l'emplafonner, quoi, parce qu'elle est restée au milieu de la route. Putain, t'y crois ça? J'ai halluciné sur le coup. Au téléphone, au milieu de la route, et puis elle a roulé comme ça, quoi. J'étais bleu quand j'ai vu ça, quoi. Ici, c'est pas possible. Et heureusement que c'était un talus et non pas un fossé, parce que là, pour le coup, c'est sûr que j'aurais eu droit. Là. Et c'est un... Si, on le voit tous les jours, hein. Voilà, donc... Hola, hola, USB frequency, international calling channel in Foxtrot Mike, please change frequency. Je sais pas ce qu'il a dit, mais je crois que c'est l'Allemagne là, qui est en train de nous arriver plein pot. Là, il te passe par, il t'est passé par-dessus. Là. Bon, d'accord. Voilà, je suis en train de passer exactement à l'endroit où j'ai dû monter sur le talus. Là, pour éviter l'autre qui m'arrivait en face. Voilà. Ok, c'est. Alors là, putain, j'étais bleu. Mais si, putain, on ne l'avait pas fait ce coup-là. Non. C'est.
Ah non, et puis il y en a, quand elles ont décidé de rester au milieu de la route, hein, eh bien voilà. Ah oh, tiens, ça me rappelle une autre connerie, ça. Une fois, je partais embaucher comme ça, là, sur Bordeaux, et donc, sur la départementale, alors j'étais entre Saint-Pédarban et Libourne. Donc là, une voie dans un sens, une autre dans l'autre. Et ça bouchonnait. Et bien là, il y en a une aussi, une nana, qui est partie du principe que les traits discontinus au milieu, et bien c'était sa voie à elle. Et elle a doublé comme ça, jusqu'à même se faire exploser les rétros. Du grand n'importe quoi, là aussi. Quoi. Alors quand on te dit, quand elle vient de nous dire, pour la blagounette, que les mecs sont plus imprudents, pour pas dire autre chose que ça, sur la route, que les nanas, je suis pas convaincu, hein. Parce qu'il y en a certaines, elles sont sacrément suicidaires sur la route. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait, hein. Tout à fait, voilà. Bon, mais là, c'est bon, là, tu vois, là, je vais dépasser les sorties d'Arvée, et tout ça, là. Donc, j'arrive bientôt à la sortie de la route de l'extérieur, donc ça a l'air de bien rouler, pas mieux dans un sens. Voilà, après, ben, écoute, ça va être la rocade bordelaise, c'est le pire. Voilà, parce que, je pense que je te fais... la roquette bordelaise avec les départs. Oui, affirmatif, c'est sûr. Hein. Ça risque de bouchonner un maximum. Bonjour madame. Ça risque de boucher un maximum là, quand tu vas arriver sur Bordeaux, là c'est clair. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'avec tout le trafic là, qu'il y a en ce moment, ah oui, puis il y a les départs en vacances en même temps là ce week-end. C'est vrai, il y a ça aussi. Quoi. C'est, ça promet. Hein. Voilà, je suis en train de reculer là au QRA. Je vais t'envoyer les bonnes adresses 51, Daniel. Et ben, content d'avoir presque travaillé ensemble. Du coup, ta carte QSL, ben, je la garde dans le push. Hein. Tant que tu ne l'as pas récupérée, elle restera dans le push. Il n'y a pas de problème pour le jour où. Allez, les 73 à toi. Rentrons bien. Bonne route. La prudence. Et à la prochaine. Ça marche, les bottes 73, à plus. Alors, de la part de Centaure pour la voie des ondes, et il t'envoie les 88. Roma. All right.
España, costa mediterránea, al norte, España llama.